Le voyage d'Amandine, étape 5. Bonjour à tous, je vous fais une vidéo aujourd'hui avec une excellente nouvelle. Je suis super contente. Mon visa, après toutes les galères, que ce soit présenter mon contrat de travail au ministère du Travail une première fois, une seconde fois parce qu'il s'était trompé sur mon numéro de passeport, une troisième fois parce qu'il s'était trompé dans les dates de mon contrat. Donc, à chaque fois avec un passage à la banque obligatoire pour payer un petit peu les droits administratifs, si vous voulez. Enfin bref, ça a pris des mois, ça a pris des heures d'attente, de galères administratives. Eh bien, ma demande de visa a été acceptée. Donc aujourd'hui, avec mon dernier papier, je l'espère, d'impôt administratif, je vais me présenter à Migrationes. Donc là, vous me voyez, je suis dans le taxi avec tous mes papiers, tous mes documents. Et j'espère que ça va bien se passer et que dans la seconde partie de cette vidéo, je pourrai vous montrer mon carnet d'extranjería qui va enfin me permettre de travailler légalement. Wouhou! Bonjour à tous, je vous fais une vidéo aujourd'hui avec une excellente nouvelle. Je suis super contente. Mon visa, après toutes les galères, que ce soit présenter mon contrat de travail au ministère du Travail une première fois, une seconde fois parce qu'il s'était trompé sur mon numéro de passeport, une troisième fois parce qu'il s'était trompé dans les dates de mon contrat. Donc à chaque fois avec un passage à la banque obligatoire pour payer un petit peu les droits administratifs, si vous voulez. Enfin bref, ça a pris des mois, ça a pris des heures d'attente, de galères administratives. Eh bien, ma demande de visa a été acceptée. Donc aujourd'hui, avec mon dernier papier, je l'espère, d'impôt administratif, je vais me présenter à Migrationes. Donc là, vous me voyez, je suis dans le taxi avec tous mes papiers, tous mes documents. Et j'espère que ça va bien se passer et que dans la seconde partie de cette vidéo, je pourrai vous montrer mon carnet d'extranjería qui va enfin me permettre de travailler légalement. Wouhou! Suivez le voyage d'Amandine sur cette chaîne, apprenez-en plus sur son projet en lisant son blog L'école et après, ou aidez-la en participant au financement de son projet sur litchi.com. Merci et à bientôt!